Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Rusty Lake Paradise. Donc toujours le point and click un petit peu horreur, un petit peu bizarre, puzzle, tout ça. Hail. La grêle donc, pas le grand froid mais la grêle. Ok, pourquoi pas. Coucou, c'est moi. Mou. Ok, elle fait du patin. Ok. Que suis-je censé faire ? Oh ! D'accord. Ok. Est-ce que je dois faire en sorte qu'elle tombe ? C'est ça l'objectif, non ? Parce que si c'est ça, ça va être une catastrophe. Est-ce que je vais y arriver ? Ok, le prochain sera donc, si elle est là. Par là ? Elle est plus basse qu'avant, non ? Ok. Et ici, on va bien voir. On va bien voir. Normalement, ça devrait être bon. Ah, merde. Bon, pourquoi pas. On va attendre encore un peu, hein, ce n'est pas grave. C'est intéressant comme truc, hein, quand même. Il y a quelques petits puzzles sympas. Bon, celui-là est un petit peu lent, peut-être. Allez, vas-y, passe, Simone. Non ? Simone ? Simone ? Simone ? Ok. Étrange. Je pensais que ça continuerait sur quelque chose d'autre. Bizarre. Une écharpe. Un vase. À gauche, nous avons toujours rien ici. Un bonhomme de neige, des espèces de... Ok. Oh, ça y est, je vois. Je vois ce qu'il faut faire. Ici en premier, ici là. Ici celui-ci et ensuite celui-là. D'accord, intéressant, ça rappelle un petit peu les premiers Pokémon. Pourquoi pas. Hop. Parfait, on est bon. On est très très bon. On est superbement bon. Et hop. 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 Et on est bon. Oh, tellement de talent, chers amis. Tellement de talent. Et on est toujours très très bon. On est excellent, chers amis. Truc de ouf. Un diamant, ok. Un bonhomme de neige sans rien sur lui. Un petit peu triste d'ailleurs. Ok, vendu. Deux diamants. Des fraises, hop, merci. J'adore les fraises. Trois diamants ici pour ouvrir quelque chose au-dessus qui donnera le cube une fois qu'on aura... Remplis aussi ça. Why not?
Non, c'est pas des fraises qu'il faut là-dedans. Why not vendu? Les écureuils et les fraises, normalement, c'est fait pas bon ménage. Ok, il va pas me donner ce qu'il a. Bonjour. Un cornet de glace, mais bien sûr, et tu veux pas... D'accord, le cornet apparemment se mettra là-dedans. Pourquoi pas. Bonjour monsieur le crâne. Ah bah, le cornet, tiens donc. Ça devient très étrange. Ça devient très étrange. Une petite branche. Ok. Je partirai pas trop loin par contre là. Le cornet, il va à sa place, ça te dérange pas. Ça te dérange. Hop là. Ok, apparemment ça c'est fini. Hop, autant pour moi. Crac. Ici je vais pas le taper avec le bâton, c'est pas mon style. Hop. L'écharpe ça va être pour le bonnet, je suis stupide moi. Voilà, les branches, ok. Pour une raison que j'ignore, j'arrive pas à débloquer cette branche là. Et là je ne sais pas trop quoi y mettre. Ok. Alors j'imagine que c'est un rapport avec le premier. Ok. Alors je ne peux rien lui faire à lui. Mais est-ce que ça veut donc... Voilà, ça, est-ce que c'est en fait la suite tout simplement de ça? Sans doute. Mais je n'ai plus rien. Je n'ai absolument plus rien en poche. Ok, j'ai donc une deuxième corne qui me servira à taper. Pas lui normalement, mais voilà, plutôt à taper dans la glace. Je vais vérifier juste, hein, parce que c'est pour éviter d'avoir à trop chercher après derrière. Qui va me servir de piquer glace en fait, littéralement, je présume. Non, même pas. Ah bah voyez comme quoi. Alors là, je suis sur le cul. Je pensais véritablement que ça allait être ça. Un petit nez? Non, même pas. Il me faudra bel et bien une carotte. Apparemment. Ok. Très bien. Très très bien. Je ne suis pas aussi bon que ce que je croyais. Là, ça va me servir de piquer glace. Là, ça va me servir de piquer glace. Ok. Et là... Ah bah merde. Marteau, tu parles. Marteau, marteau. Ok, bon, on recule encore un cran. Peut-être voir quelque chose. Non, même pas. La sœur a complètement disparu, par contre. Non. 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 Ok. C'est pas le marteau non plus. Ok. Je vais pas vous mentir, je suis un poil surpris de pas y arriver, hein, quand même. Si je te fracasse la tête à coup de marteau, non. Toi, tu veux toujours ta glace, apparemment. Ok. Oh! D'accord. Ouais. Why not? Why the fuck not? Voilà, mange! Allez, plus vite que ça! Ah, ah. Ah, il y a un truc avec son chapeau. Allez. Ok, ça marche pas.
T'as eu ce que tu voulais ! Donne-moi ce que je veux ou je te fracasse ! Non. Oh putain. Il y a un truc avec son chapeau, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc avec son chapeau. Il y a rien dedans. Là actuellement, il y a rien dedans. Donc c'est... Donc ça fond automatiquement. OK. Ok. Ok, très bien. On a vu zéro autre fruit, on est d'accord. Ah si, on a vu ça, mais... Je peux rien y faire. Faudrait qu'il soit un cran plus loin. Voilà. 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 Voilà, je vais avoir une glace à la pistache. Oh la gueule. Comment j'ai pu faire ça à ce pauvre animal. Voilà. Allez, glace à la pistache, est-ce que tu préfères celle-là? Voilà, et là tu peux pas observer ton chapeau. Hein? Hein? Là je t'ai piqué ton chapeau, gros tard. Et l'autre? L'autre tu la goûtes ou pas? L'autre tu la goûtes ou pas? Putain, connard. J'ai le chapeau. J'ai la fourrure. Ok. Ce qui veut dire que potentiellement. Chapeau, fourrure? Non. Marteau, peut-être. Plus. C'est pas la fourrure non plus. Puissante boule à neige. Puissante boule à neige, d'accord. En train de me dire qu'il y a... Alors là, si j'avais su, je vais utiliser la boule à neige pour faire de la magie. Mais bon, j'ai compris. Non, pas à chaque fois. Ah non, il est là. C'est bon. Par contre, s'il tombe à chaque fois, ça va être casse-couille. Je suis vraiment pas doué, moi. Allez, hop, un petit coup. Hop, c'est bon. Allez, on va te sauver, mon bonhomme. T'inquiète pas, hein, t'es le premier homme à être décongelé. J'arrive, bonhomme, j'arrive. Je prends ta clé, ça te dérange pas? Merci. Tu démerdes pour la suite, hein? Allez, salut! C'est ça qui est bon. Y a aucun truc avec une clé dans cette zone. Y'a aucun truc qui a besoin d'une clé! Attendez. J'essaie de réfléchir, mais. Ouais, vas-y, continue à manger la même, mais non. Y'a aucun truc qui a besoin d'une clé. J'ai une clé, je sais pas. Non, attendez.
Nope. 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 Qu'est-ce qui pourrait avoir besoin d'une clé dans la région? Pas toi. Toi, techniquement, les clés t'en bats les steaks. Ok, donc c'est pas lui. Au moins, on est sûr que c'est pas lui. Dans cette zone, il n'y a plus grand-chose qui ne soit touchable. Ici, c'est un peu pareil. La carotte, peut-être au niveau... Même pas. Non, c'est pas toi que je voulais cliquer, excuse-moi, bonhomme. C'est pas ça non plus. La clé, il y a peu de chance. D'accord. Si je recule, je n'ai plus que cet endroit-là. Est-ce que tu veux quelque chose ? C'est assez froid dans le paradis. T'as vu ça ? Pas tripoter les tétons à ton tour. Est-ce que je peux te sortir de glace? Apparemment non. It's pretty cold in paradise. Ma chère sœur n'est jamais véritablement ressortie. Ok, il y avait un poisson. Si tu veux, pas de soucis. J'ai l'impression de ne pas avoir fini cette zone. Mais apparemment, c'est le cas. Où est-ce que j'ai besoin d'une clé? Nulle part. Par contre, la boule à neige, alors peut-être que... Peut-être que j'ai encore besoin de la boule à neige? Pas là, pas précisément ici. Ok, si tu le dis. Oh putain, faut que je remplisse chaque vase. Ok, d'accord. Ok, ça y est, ça commence à se préciser. Je commence enfin à comprendre ce qu'il faut faire. Si vous me dites que vous l'aviez vu, je vous aurais pas cru. Ou alors vous avez déjà joué au jeu. Puisque honnêtement, c'est pas... si simple. Salut. Tu commences à avoir une bonne tête. Ici, rien. Là, on a quelque chose. Donc, hop, toc, toc, toc. Tes yeux. Tout hasard. Non? Bien. Hop, on est bon. Crac. Je te rajoute tes nœuds. Position. Oh non. Faut que je regarde où est-ce qu'il faut que le nez soit. Il faut que le nez soit vers le bas, c'est ça, non? Peut-être. Mmh.
Allez! Ça a peut-être rien à voir. Bon, qu'est-ce qu'il faut précisément? Trois cristaux. Le nez vers le bas. Je vais reposer ça, peut-être que... Il doit bien y avoir quelque chose. Si ça bouge, c'est qu'il y a une raison, non? Enfin, je sais pas. J'ai encore une clé qui me sert à rien. T'as rien d'autre à me dire. Ça sert vraiment à rien aussi, toi, en parlant de choses qui servent à rien. Je peux pas casser ça. Si tu le dis. Ok, je découvre des choses comme ça en cliquant un peu au pif. Mais ça m'avance pas. Ça ne m'avance pas. Sauf si j'ai oublié quelque chose dans un dépôt. Mais là, pour le coup... It's pretty cold in paradise. Ouais, je me doute. Il faut quand même pas que j'aille te chercher la... Bah non, je peux pas la récupérer. Non, si encore je pouvais la récupérer, je dirais oui, mais je peux pas. Alors... Devez voir un truc, je sais pas du tout là. Pour le coup, là je suis complètement coincé. Attends. Acheter des glaçons sur les trucs. Apparemment non. Je vais faire tomber des glaçons un peu n'importe où. Sur la tête du bonhomme. It's pretty cold in paradise. Toujours pas. Donc c'est pas ça. C'est toujours pas ça. Qu'est-ce que je loupe? Qu'est-ce que je loupe? Mettre de l'eau dans la... Dans la bassine. Non. Non plus. Bon, je sais pas si j'ai un système de guide.
Ça doit être pour rejouer les niveaux, ça. Je veux pas aller voir directement dans le walkthrough, quoi. Si. Bon, ça m'ouvre une page internet, ok. On va y aller tout doucement. Si c'est juste ça. Ok, bon. Alors, apparemment, c'est beaucoup moins cherché que ce qu'on croit. C'est tout simplement, là c'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. Enfin, c'est à gauche, pardon. Là c'est à droite. Là c'est à droite. Là c'est à gauche. Là c'est à droite. Là c'est à droite. Là c'est à droite. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Oh mon dieu! Et là, on a retrouvé mamie. C'est... bizarre. Let it snow! Let it snow, let it snow, viens dans ta face mamie, c'est bon! Et maintenant, voilà, c'était simplement ça en fait. C'est... parfois, c'est juste... incroyable. Prodigieuse boule à neige. Ok, cool. Et apparemment, maintenant, il suffit de se rendre à l'endroit et de faire neiger. Il faut savoir que j'ai juste regardé pour ce qu'il fallait faire vis-à-vis du truc. Hein. Ok. Et là, forcément, oui, d'accord. Ok, on s'en sort. 30 minutes sur la première. Wouhou, c'est la fête du slip. D'accord, donc ma mère, une espèce d'entité chevreuil, et moi, en tant que dans une cage d'élus. Étrange. Tu es prêt à rencontrer ta destinée. D'accord. Non, prends-moi à sa place. Donc c'est la mère qui s'est sacrifiée à ma place. Le cube noir. Ok, bon. Je pensais pas que ce serait si compliqué, mais... donc, en 7, quelle est la 7ème plaie? Donc ce sera bien la nuée d'insectes. Ok, c'est parti, on y va. Go for it. The 8th plague. Locusts. C'est bon, c'est moi qui suis en train de compter. Donc c'est la 7, donc ça c'est la 8. Il me restera 9 et 10, donc c'est bien ça. Les sauterelles, ok. Bonjour, vous êtes en train de faire de la musique, pourquoi pas. There was a man, he is my dad. There was a man, only brother I had. There was a man, no hat does he wear. There was a man in the middle stood there. There was a man, all skin and bones. There was a man, no hairs under his nose. There was a man, he stands to my Tribor, right. C'est la droite. Attends. Ah, c'était sa droite à lui. Merde. There was a man, he is my dad. Il a dit bien my right en plus. There was a man, only brother I had. There was a man, no hat does he wear. There was a man in the middle stood there. There was a man, all skin and bones. Elle est sympa en plus, hein. There was a man, no hairs under his nose. Ça c'est le truc que j'aime bien, c'est sur le principe. There was a man, he stands to my right. There was a man, hair gray as first light. There was a man who hey, boom! Was really quite fat. There was a man, feathers perched on his hat. Il chante bien en plus. There was a man, had a clock for his heart. He was a man, the last man, and the man from the start. Et voilà, c'est bon. Thank you.
C'est bizarre, mais pourquoi pas. Ah, d'accord, ok. C'est leur note. Longue, 1, 2, 3. Longue, 1, 2, 3. Donc celle-là est bien. On va plus le deuxième, merde. Longue, longue, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ça devrait être ça normalement. Ça devrait être ça normalement, ou alors c'est l'inverse. Je peux. Ou alors c'était l'ordre de départ. L'ordre de départ, du coup, ça donnerait ça. Non. Bon, il doit y avoir un truc avec l'ordre. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut... On peut pas passer. D'accord. Faut d'abord que je résolve ce truc-là. Ah, c'est l'ordre de naissance. 1, 2, 3. Ta-d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 a. 2 3 Non? Non, c'est pas ça? Longue, longue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça devrait être ça pourtant. Longue, 1, 2, 3, longue, 1, 2, 3. Pourtant c'est bien ça. Longue, ah merde non, c'est moi qui me suis chié dessus. Donc du coup, si c'est pas cet ordre là, ça devrait être ça. Ouais, ok. Et lâche, enfin, mais dis donc, on en a chié pour, j'en ai chié pour ça. Voilà, si jamais je passe, merci. D'accord, j'ai trouvé. Voilà, c'est cela. Ah merde. Voilà. Pas celui-là. Ok. C'est pas ça? Regardez, ça s'arrête hein, en fait à la bonne hauteur. La merde, non? Si, c'est bon pourtant. Bizarre. Bas. Haut. C'est bon. Bon. Ok. Ouh. Pourtant, c'est ton repas. Tu devrais y aller, toi.
Je n'arrive pas à voir là où je suis censé aller, donc je n'arrive pas à y aller du tout. C'est intéressant. J'arrive pas à la déplacer là où était l'oiseau, donc c'est pas grave. Là, j'ai un œil. Là, j'ai une chèvre. Si je continue tout droit, là, j'ai encore ça. J'ai ça. J'ai encore un œil. Alors, apparemment, les chouettes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Eyes blinded by the fog cannot see the truth. Le regard perdu dans la brume ne veut pas trouver la vérité. Regard perdu, on voit des yeux un peu à droite. Ok. Si tu le dis. Mamie, qu'est-ce que t'as? Espèce de corne, donc il va falloir que je pète la tronche encore à la... à la bête. Hop. Allez. Attendez, le regard, il y a un truc avec... Pauvre bête. J'ai récupéré ses yeux, mais ce n'est pas ce que je voulais récupérer. Cela dit, le regard perdu dans la brume. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour. Sauf que tu sais que si je pète la tronche à l'arbre, moi... Tu sais quoi? Ok, tu veux pas. Ok, bon bah je vais voir ailleurs si j'y suis, y a pas de soucis. Ici, vous chantez toujours les bonhommes? Ils sont cassés, why not? Ok, les regards perdus dans la brume. J'ai deux yeux, j'ai vu... Des papillons, the butterfly effect. Ok. Ok, d'accord. Ça, j'ai compris. T'es en train de me dire qu'ici, il faut que je creuse. Ouais, c'était à l'opposé. Voyez. Je n'ai pas la clé. Deux, trois. Vous avez vu où elles sont? Ok. Imagine, il faut que je prenne vis-à-vis de... Ah non, d'accord, ok. Elles sont déjà placées, regardez là. Je les ai déplacées, il faut que je les déplace par rapport au trou. Genre ici, ici et ici. Il y en a une qui est rapprochée. Qu'est-ce que celle-là? D'accord, donc celle-ci, si je la cale ici, normalement elle est bonne. Ah non, elle est pas bonne. Si je la recale, toujours pas. Alors qu'est-ce que je suis en train de bouger? À moins que... Attendez. C'est à l'opposé, c'est ma façon de regarder à moi. Là j'ai les choses à gauche. Donc ce qui veut dire que celle-là doit aller là. Encore un peu. Ok.
C'est vis-à-vis de mon œil à moi. Ah ah, on est bon. On est presque bon. Voilà. Décède. Luciole. Cool. Et l'autre. L'autre, on l'a eu. On est donc bon. Je pense que la Luciole, je vais la donner à l'hibou. Si je puis me permettre. Au hibou, plutôt. Tiens, mange. Je mange le texte. Ah. Faut que je donne plus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça ressemble clairement à la corne du bouc, on est d'accord. Ouais. Est-ce qu'il ferait progresser les choses, lui? Oui, j'ai bien compris que tu veux que je... D'accord, le hibou fait déplacer la bébête. Ok. Espèce de corne de brume, oui, logique. Maintenant qu'on y pense, logique. Bonjour, toi. Mamie, corne de brume, souffle. Mamie, casse-toi. C'était chelou. Le fait que j'ai déjà, c'est chelou aussi. Bonjour. C'est en train de me punir parce que j'ai pas pris. Pardon. Oh, t'as pour moi. Coucou. D'accord. Et donc, tu dois partir. Ah, d'accord. La raison pour laquelle je suis parti. Je vois. Et nous avons donc fini cette 8e plaie, chers amis. Donc, qu'est-ce que sera la suite? Alors, ah, mais j'ai oublié de fermer. Bon, qu'est-ce que sera la suite? Qu'est-ce que sera la suite? La lune, ok. Pourquoi pas? En tout cas, la suite et la fin, Shazam, on la fera dans le prochain épisode, je pense. En tout cas, s'il n'y a que les 10 plays et rien de plus après. Donc voilà, les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker aussi si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et moi, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo de Rusty Lake Paradise. Je vois pas pourquoi, en fait, j'ai essayé de réfléchir à Rusty, mais pas compris. Ça ne doit avoir aucun rapport, vu que c'est le nom d'une série de jeux. Voilà, donc salut les gens.